Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer un PDF en fichier Word avec Abby FineReader. Donc quand vous ouvrez le logiciel, c'est cette interface-là que vous voyez. Donc vous allez aller tout d'abord sur Numériser vers Microsoft Word. On me dit échec du traitement, c'est que moi j'ai pas de scanner de relié à mon ordinateur, mais si vous en avez un, vous n'aurez pas ce message-là. Donc, si vous vouliez numériser un document avec le scanner, vous iriez sur numériser. Mais ici, on va seulement convertir un PDF. La procédure est semblable, sauf l'étape du scanner, évidemment. Donc, on va ici sur ouvrir. On ouvre un document. Et on laisse Abby reconnaître les pages. Ça prend un certain temps parce qu'il doit... Il doit reconnaître les fichiers qui sont des images et les convertir en document texte. Donc, une fois que c'est terminé, vous allez ici sur Enregistrer. Vous avez différentes options. Vous pouvez l'enregistrer en Word, en Excel, en PDF. Moi, je choisis toujours de l'enregistrer au format TXT, au format texte. L'avantage, c'est que quand on enregistre un document Word, souvent, ça va faire des zones de texte. Puis, quand on veut le faire lire ensuite par des synthèses vocales, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand on enregistre au format texte, ça enregistre vraiment seulement le texte. Puis après ça, on peut faire un copier-coller dans Word. Je trouve que c'est plus efficace de cette façon-là. Donc, voilà. On va l'enregistrer. Comme j'ai une version d'essai, je peux seulement faire les trois premières pages de mon document. Donc voilà, ça m'ouvre mon document dans un document .txt. Donc à ce moment-là, j'ai seulement à faire CTRL-A pour sélectionner, CTRL-C pour copier. Je vais ouvrir mon document Word. Et CTRL-V pour coller. Donc j'ai mon document ici qui a été converti, qui est passé d'un fichier PDF image à un document Word. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, puis ensuite je pourrai le faire lire par une synthèse vocale si j'en ai envie. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour convertir un fichier PDF avec Abby FineReader.